Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Car Simulator 2018, Car Mécanique Simulator 2018 pardon. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est pas une vidéo présentation ni découverte du jeu. Des vidéos découvertes sur ce jeu, il y en a eu pas mal, donc je vais pas en faire. J'ai déjà quand même pas mal commencé, je suis déjà level 7 je crois. J'ai 9000 d'argent, j'ai déjà débloqué, donc j'en ai un à débloquer. Débloquer un scanner au DB, tiens, hop, nickel. Voilà, j'ai déjà débloqué des choses. Et donc là, je suis sur cette bagnole-là. Donc, on a... Ma voiture ne démarre pas, et quand elle roule, fait des drôles de bruit. Tous les matins, je réveille tout le quartier, comme quelque chose qui marche plus. Faites quelque chose pour qu'elle marche, qu'elle ne fasse plus autant de bruit. Donc j'ai déjà changé le silencieux intermédiaire, le silencieux arrière, la batterie. Faire la vidange, vidanger l'huile usagée, remplir avec de l'huile neuve. Voilà. Ça, faut qu'on y fasse, je l'ai pas fait encore. Donc on va s'occuper au pire de ça tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Donc vraiment un très très bon jeu. Je vous ai déjà fait une vidéo hier, mais la vidéo n'a pas marché en fait, j'avais plus de place sur le disque dur, du coup ça n'a pas enregistré tout entier. Ouh, bah il n'y avait pas beaucoup d'huile là-dedans. Ok. Donc la vidéo n'a pas marché, donc voilà, je refais celle-là. J'aurais pu la poster, mais bon, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout. Attendez. Filtre carburant. Il est où le filtre huile? Filtre huile, où es-tu? Normalement il doit être par là. Attendez. C'est qu'il est le filtre huile? Ah, il n'y a pas de filtre huile là-dessus. Bah, c'est bizarre. Ça, c'est quoi ça? Bloc moteur. C'est le démarreur, ouais. Ok, mais il n'y a pas l'air d'avoir de filtre huile. C'est bizarre quand même. Vraiment, c'est obligé. Enfin, sur toutes les voitures, il y a un filtre huile. On va regarder un petit peu par là. Non. Donc j'avais déjà commencé à démonter. Ça, 65% à la courroie. On va démonter ça. Ouais, alors attendez. Mais non, je vais remplir avec de l'huile neuve, ouais. Ça, ok. Du coup, les autres pièces, faut qu'on les trouve. Je sais plus si j'avais regardé là-dedans. Si, si. Attends. Que je dise pas de conneries. Mais si, j'ai déjà démonté ce moteur en plus. Oui, j'ai déjà démonté le moteur. Donc non, on va pas faire ça. Bah oui, j'ai déjà démonté le moteur. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Est-ce que ça c'est pas abîmé? On va remonter ça. Putain, je l'avais déjà démonté. En fait. Attendez. Bah oui, filtre à huile, je l'avais enlevé, c'est pour ça. Ok, ça au pire on changera. Par contre, je sais pas ce qu'elle a la voiture. Elle dit qu'elle fait un drôle de bruit. On va démonter ça. Ok. Alors les jantes, elles sont à combien? Combien ce sont les jantes? Ah, ça c'est le silencieux que j'ai changé, donc il est foutu. Ok. Les jantes, ce sont bien. Ouais, sont bien les jantes. Contre les disques, ils ont pas l'air d'être bons. Trier de frein, ouais. Plaquette, ouais. Disques, bah si, ils sont bons les disques. État de la voiture. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui me dit qu'il est abîmé là. Je
scanner au DB. Cette voiture ne possède, oui, possède pas de prise, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est la profondeur du mode pneu. Ok. Ouais, mais je sais pas ce qu'elle a la voiture aussi. Peut-être à l'arrière. Mais ça m'a l'air d'être bon l'arrière. Ah c'est un tambour, d'accord. Les garnitures elles sont bonnes. Piston, il est bon. Ça. C'est bon. Ah ouais. Bah écoutez, c'est tout bon. Amortisseur arrière. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dedans? Ouh, la pompe par contre. Ah ouais, la pompe elle est morte. Donc on va. Pompe à carburant, ouais, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Réservoir, non. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Des pièces. Ok, peut-être. Oh non, l'intérieur, non. Merde, j'ai enlevé la porte. Bon, tant pis. Non, l'intérieur, il a l'air correct. Non, l'intérieur a l'air correct. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre par contre là? Voilà. Bon, on va tout démonter de toute façon. On va tout regarder les amis. Par contre j'ai pas mis de. Mince, j'ai pas mis le chrono encore. Chaque fois j'oublie. C'est pas grave. Ça c'est bon. Ok. Elle a l'air de rien avoir d'abîmé à l'arrière là. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Les coupelles, elles sont bonnes. Ça c'est bon. Coupelle de ressort. Ah non, l'arrière ça a l'air d'être tout bon l'arrière. Ouais, à l'arrière ça a l'air d'être tout bon. Bon. Ce qu'on va faire, on va remonter la voiture. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'abîmé là-dessous? Réservoir, non? Non, réservoir il est bon. Est-ce que ça m'a trouvé? Non, ça m'a pas trouvé autre chose, d'accord. On va le remettre. Hop. On va remettre ça aussi. Du coup, ça c'est bon. Ça. Que ce serait bon. Non, je suis en montage quelque part. Ça, qu'est-ce que ça dit? Non, 65%. Mais mince, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir cette bagnole là? Non, il a pas l'air d'être abîmé le machin. Qu'est-ce qu'on fait? On se démonte un amortisseur pour voir. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autre en fait. Parce que le moteur, j'ai déjà démonté. Non, ou j'étais en train de démonter, je sais plus. Ah non, je crois que j'ai planté. Oh, est-ce qu'on a trouvé autre chose là? Non. Mince, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, bordel?
Je vais la mettre en pièce la bagnole. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir hein, du... Je crois que j'ai déjà démonté le moteur en plus. Parce que là ça m'a pas l'air d'être là. Hein. Ici il n'y a rien. À moins les... Je sais pas. Si les blocs ils sont bons. Non, la retransmission, je crois que j'ai déjà je l'avais déjà enlevé. Non, il est bon l'arbre de transmission. Non, je crois que j'ai déjà enlevé le moteur. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Tu... Pare-choc? Non? Les phares? Ah, mince. Les disques sont tout rouillés et ils sont pas foutus. Bizarre ça. Qu'est-ce que... Démonte quoi là? Ah, je vois pas ce qui est abîmé là, purée. On va avoir tout démonté. Je vais la désosser entière la voiture. Ça... C'est un peu... Enfin... C'est un peu du... Un peu galère on va dire quand ils disent pas... C'est quand... en principe quand t'emmènes ta voiture chez un... Chez un garagiste... Tu lui dis ce qu'il y a quoi. Je vais tout virer, hein, tant pis. Hop, on va bien finir par trouver. Hein. Par remonter, ça va aller vite, hein, ça prendra pas trop de temps. C'est quoi ça? Cherche intermédiaire. Ça c'est tout neuf, je l'avais changé. Pas qu'à huile, de toute façon il n'y a plus d'huile dedans, donc on peut démonter. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Ah non, faut que je démonte ça. Ah bah il faut y faire par le haut. Donc, attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Reste encore ça. La traverse. Elle est bonne pourtant. Tant pis, on démonte tout les amis. Hein. Désolé, ça va prendre un petit peu de temps. Mais au moins... On aura trouvé. Ça, ça se défait tout par en haut. Ok, derrière, qu'est-ce qu'il y a resté? Il restait le pot. On l'avait déjà changé. Qu'est-ce qu'on aurait derrière? Ici, l'en bloc. C'est pas ça. On va enlever les amortisseurs. Hop. Ah oui, il faut qu'on enlève tout ça. Allez, on va tout démonter, on la remontera la voiture, c'est pas un souci. Hop, c'est pas un souci. J'ai déjà fait un démonter une voiture sur le jeu, bien sûr. Entièrement. Comme ça au moins on contrôle tout. Pourquoi ça veut pas? Parce que là je vois pas du tout ce qu'il peut y avoir. Quand on va tout démonter, tant pis. Hop, hop, ça. Ça et le pont arrière. Et bah écoutez, il n'y a rien du tout derrière déjà.
à part le filtre. La pompe, pardon, pas le filtre. Donc on va démonter le ça. Hop, ça c'est bon. Allez, on va démonter ça. J'ai déjà fait en plus, hein, sur, je crois que c'est sur cette voiture. Hein. On va tout démonter, au moins on trouvera bien qu'est-ce qui va pas. Ah, ça faut y démonter par là-bas, bien sûr. Ok, bon, c'est pas grave. Hop, hop. Radiateur serein, je l'avais déjà enlevé. Alors ensuite, on va enlever ça. Peut-être une soupape ou un piston ou je sais pas. On va voir ça les amis. Ou tout simplement tous les pistons. Je lui dis qu'elle fait du bruit, qu'elle démarrait plus. Je sais pas. Il n'y avait plus d'huile dedans alors... C'est la culasse, ouais. Le joint il me paraît pas joli. Je peux pas l'enlever la culasse. On va enlever ça. On va enlever la pompe. Et après il se fera qu'on a en dessous de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Démarreur. Boîte de vitesse, ça se fait par dessous. Ah, filtre à carburant, 25%, donc ça je pense que ça y est. Filtre à carburant, ouais. Pompe à carburant, d'accord. On sait que je l'avais pas démonté le moteur alors, c'était pas sur celle-là. Parce que j'en ai déjà démonté 2-3 sur une voiture. À chaque fois je démonte, voilà, je trouve pas, on démonte. Je me prends pas la tête, je démonte tout. Ça prend du temps, mais bon. Que de chercher pour voir rien. Je démonte tout. Allez, on va regarder ça. Filtre à air. 65%. Le moteur en est bon. Je pense que c'est dans le moteur qu'il y a quelque chose. Les fils à bougie. On enlève. Et elles étaient bonnes, d'accord. Ah, les bougies sont mortes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il nous manque un truc. Il nous manque un truc. Je vois... À mon avis, c'est la culasse. Je penserais plus pour la culasse, moi. Oui, je penserais plus pour la culasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, ouais, il nous faudra 4 bougies. Ok. 65%, ouais, il était pas foutu. À moins que ce soit ça. Non. C'était pas ça. Peut-être... Non, dans la boîte à vitesse, je sais pas. Je sais pas, je penserais bien pour la culasse, moi. Donc, la butée... Non, la butée elle est bonne. Hop, le disque. Il est bon, le volant moteur il est bon. Et donc ouais, c'est autre chose, c'est pas ça. D'accord. Donc on va démonter les pistons. Merde. Excusez-moi. Je pense qu'il y aurait bien un piston ou la culasse tout simplement. Désolé les amis, ça prend du temps. Mais bon voilà, au moins on trouve. Vous voyez les bougies, voilà, fallait penser à regarder dans les bougies quoi. Si tu pars pas pour démonter le moteur, les bougies, je pense pas que tu y penses quoi. Les brequins. Non, faut que j'enlève les pistons avant. Hop. Ouais, de toute façon, on aura déjà des trucs à commander.
Déjà ouais, on pourrait même remettre les phares, ouais c'est pas grave, on mettra après. Alors faites voir les pistons, comment ils sont. Ils sont bons ou pas? Allez. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah. La bobine d'allumage. C'est peut-être ça. Ah bah voilà, c'était ça. On a tout trouvé. Ok, bon bah y a pas besoin de démonter les pistons. On va aller commander les amis. Donc il nous faut une bobine de l'image. Un bobine de l'image. Elle est où? Il nous faut ça. Hop, il nous faut 4 bougies. 4. Hop. On a dit qu'il nous fallait une pompe à gasoil aussi. C'est où? Pompe, pompe, pompe. Ça c'était bon. Pompe, pompe, elle est où? Pompe à carburant. Hop. Voilà. Donc ça on a pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on a qui était foutu? Donc la pompe à carburant, on a pris. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, filtre à carburant qu'il faut qu'on prenne aussi. Filtre à carburant, les bougies, on a. Donc filtre à carburant, d'après moi, il nous manque que ça. Filtre à carburant, on va aller chercher ça tout de suite. C'est lequel? Filtre, il est où? Filtre carburant, c'est normal. Ok, donc c'est comme ça. Hop, allez, c'est parti. On va remonter ça. Hop, donc on va passer au remontage. Allez, c'est parti. Ça va plus vite pour remonter. J'ai boosté la vitesse pour remonter. Boîtier papillon. On va remettre ça. Hop, on va remettre ça. L'arbre à cam, on va remettre les cache-culbuteurs. Hop. Ah, on a tout à remonter les amis, là. Tout. Sans exception. Mais on a tout trouvé. Comme je dis, hein, voilà, j'ai quoi, j'ai 5 heures de jeu, donc voilà, comme ça m'apprendra la prochaine fois à vérifier les bougies, les trucs, mais bon, c'est pareil, ça peut être un truc dans le moteur, voilà, ça peut être plein de choses, donc c'est pour ça que j'ai préféré, en démontant tout, voilà, on a perdu quoi, peut-être 10 minutes. Hop, hop, ah, nickel. Bah, du coup, les bougies, on peut les remettre, elles sont toutes neuves. Hop. Hop. Peut-être qu'il y en a d'autres qui feraient autrement, mais voilà. Moi j'ai voulu faire comme ça. Ça se fait par là-dessus. On va mettre ça maintenant. On remet le filtre. Le cache. La boîte à air. Les petits clips. Hop. Regardez, ça prend forme là, ça remonte tranquillement. Ça va y aller, vous inquiétez pas, on se fait ça de toute façon. Allez. Alternateur, c'est parti. Ensuite, on a la pompe à eau. Pompe de direction assistée. Hop. Elle tient que par une vis. Bizarre ça. On remet ça, on remet la courroie de district, on remet les galettes tendeurs, hop, et le cache distribution. Donc là on est bon, la poulie, on remet la poulie, ah, je vais pas réussir à prendre dessus.
se remet celle-là. On va se remettre celle-là. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Là, on est bon. Là, j'ai tout remis. Ok, donc on va lever la voiture. Et on va aller refaire le dessous. Alors attendez, au pire, ce qu'on va faire, on va remonter. Merde, c'est pas ça. Montage des pièces. On va remettre le pont arrière. Hop. L'échappement, bien sûr que non, je peux pas le remettre maintenant. Hop. Voilà, il y en a qui vont me dire pourquoi t'as tout démonté, ça sert à rien, écoutez, moi je fais comme ça, c'est comme ça. Hop, on va mettre les mâchoires, le tambour, et la jante, hop, allez. Allez, c'est parti, on va aller de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Enfin, j'espère que ça vous plaira quand même, petite vidéo sur car mécanique. On va remettre ça tout de suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça. Hop. Ah oui, il y a les petites... d'accord. Faut pas que j'oublie les... coupelles. Hop. On va pas oublier ça par contre. On a les deux petits trucs à remettre. Je les ai pas mis de l'autre côté ça en plus, c'est bizarre. Bizarre, j'ai pu remettre la roue. Oh non, ça dérange pas, je suis bête. Hop, les moyeux. Ça. Tac. Les mâchoires. Les tambours. Et la roue, allez. Et bien voilà. Alors là, par contre, on a un truc à remettre ici, là. Pas de montage. On a ça à remettre. Hop. Ah oui, non, ça gêne pas ça pour des... Ok. Voilà, allez c'est parti, on retourne devant. Hop, non, pas le silencieux tout de suite parce que sinon... Ah ça c'est long à remettre par contre. Tous ces petits trucs là, c'est très long. Non, si tu peux me remettre dedans. Voilà, après on met un petit peu d'huile là-dedans. Comme il n'y avait plus pas beaucoup d'huile dans le moteur, ça aurait pu être un joint de culasse ou une bielle ou un truc comme ça. Pour ça voilà, au moins on a vérifié. Le carter d'huile. Ah, on a la boîte à vitesse à remettre aussi. Ça va peut-être être chaud pour tout faire dans cet épisode. Mais on va essayer. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les filtres à huile, il était bon. On a le volant moteur. Les disques d'envoyage. Hop. La butée d'envoyage. Et la boîte à vitesse. Ça c'est par le haut, ça c'est par le haut. Hop, la crémaillère. Et on pourrait se remettre ça aussi. Le pot. Hop, faudrait que j'arrive à prendre ça. Hop.
Alors, on va aller là. Allez. Si ça veut aller bien. Allez, on se dépêche. On va remettre le cylindre bloc. Il y en a un là et un de l'autre côté. Tac. On va me remettre celui-là. Plein, c'est voilà, ceux d'avant que j'ai pas vendu, parce qu'ils sont pas foutus, donc ça peut servir pour une voiture. Ah, il me manque un triangle là, d'accord. Ça, on va aller en chercher un. Triangle, ok. Il me manque un triangle, ok. Faut pas que j'oublie. Triangle, je peux pas le remettre. Normal ça je pense. Hop, les freins, les plaquettes, les étriers. Et la roue, on la mettra après. Donc on va aller voir de l'autre côté, il nous reste des trucs à remonter. Ah bah là j'ai pas non plus. Ok. J'ai pas non plus le triangle. Triangle inférieur, ça. Ok, on va aller commander ça. Ça va faire une vidéo longue, du coup. Ouais. Sinon, je la fais en deux parties. Ouais, ça fait déjà 25 minutes là que j'ai remis. J'ai mis en route le truc. On va essayer de se dépêcher. C'est les bras de suspension inférieure. Et l'autre, c'est quoi déjà qu'il me faut là? Il faut. Il was dans le double. Bras de suspension inférieure. Vous savez tout ça. Plus en haut. Bras de suspension inférieure. Ah non, je suis dans moteur là, suspension. Bras de suspension inférieur. Il faut ça. Bras de suspension supérieur, ça doit être celui-là. Si je me trompe pas. On va déjà aller voir là. Là, normalement, on est bon pour celui-là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'objet. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, il me faut les cylindres blocs aussi. Merde. On va pas y arriver. Et celui-là. C'est quoi ça? Ouais. Il me faut les cylindres blocs aussi. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Bah oui. Je suis bête. Cylindre bloc, cylindre bloc, cylindre bloc. Il faudrait, on va en prendre 4, 5, allez hop, c'est pas perdu. Ça servira toujours. Donc là normalement, on est bon. Hop, hop. Et il y en a plus pour très longtemps les amis. On met les bricoles dans le moteur après, on est bon. Montage.
Ah purée, il m'en manque un. Ok, on va remettre la roue. Allez, il manque un fil en bloc, on va en chercher un. On va en chercher un, on va prendre un petit. Et un gros, comme ça on est sûr. On est sûr d'être bon. Hop. Allez. Ah, j'ai pas remis la suspension. Ok. Allez, là on est bon. Allez, on descend la voiture. Faut que je remonte les portières et tout en plus. Montage, non. Attendez, parce que... Ah oui. Hop, on remet ça vite fait. Voilà. Ça, on a les phares à remettre. Le pare-choc. Et voilà. Allez. On continue le montage ici. Hop. Là on est bon. Est-ce qu'on a d'autres? La culasse. J'avais pas autre chose à remettre ici. Ah non, c'est bon. Le filtre. Hop, la bobine. Et là normalement on est bon. On remet de l'huile. Non, pas ça. La culasse. Allez, hop. Et bon, on est pas mal, les amis. On est pas mal. On va remettre une goutte. Hop là. Mode montage, j'ai le câble là. Et voilà. Non, normalement on est bon. Et ben nickel les amis. Allez. La voiture n'est pas complètement... Ah oui, la plaque d'immatriculation, c'est vrai. Ça déjà on peut fermer. La plaque. Hop. Et ben voilà. On peut la virer normalement. Nickel. Ben voilà les amis, ben écoutez, moi je vous laisse sur cette vidéo, désolé si c'était un petit peu long, mais voilà, on a réussi. Donc moi je vais prendre une autre mission, voilà, je sais pas si je vais filmer ou pas, on verra. Et moi je vous dis, ben portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, un petit like, on s'abonne les amis. Sur ce, moi je vous dis, ben bon visionnage, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Diablo, bye bye tout le monde, allez ciao ciao.